Ce documentaire, il racontait en quelque sorte, on va dire, il expliquait les motivations qui pouvaient pousser les gens à partir de chez eux. Donc là, c'était un exemple sur le Maroc, ça pourrait être... C'est pour ça que certains nous ont dit que ça pouvait aller dans n'importe où dans le monde en fait, mais c'est la problématique, c'est qu'est-ce qui nous pousse à partir de chez nous. Et donc on est parti avec cette question-là et on a interrogé les gens là-bas. Moustapha est né à Tinria. Lui et son épouse française vivent dans le quartier de Tidrine, derrière la Palmerie. Ils tiennent une maison d'hôte qui accueille les voyageurs de passage dans la région. C'est une autre culture, la France, l'Espagne. Moi, ça m'est arrivé des trucs, c'est normal. Hein. C'est la France, c'est une autre culture, surtout en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, là où je suis, c'est un petit village où il n'y a pas aucun immigré. Le seul, c'est moi. Ils racontent leur vision de l'immigration, c'est-à-dire c'est des personnes qui soit on rêve de partir, soit on choisit de partir, soit on choisit de rester, soit on a des amis qui sont partis en France, en Europe ou ailleurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir en France? Qu'est-ce qui vous a donné envie? On m'a poussé en France pour vivre bien. Parce que là, la vie ici, c'est un peu faible. Et pour gagner ma vie, je suis parti en France. Tout le monde veut partir en Tout France. Tout le monde veut partir en France. Tout le monde veut partir en France. Et... Même les animaux. Tout le monde aime la France. Tout le monde. Tout le monde aime la France. Il y en a qui disaient une idée, l'autre dit ouais non c'est pas ça, non c'est pas ça. Genre en fait les idées sont tellement mélangées je crois pendant un jour on a fait que poser des idées et en mélangeant toutes ces idées on a fini par arriver à celle qui nous semblait le plus cohérent en fait. Donc c'était celle-ci. Sacha et Sophia.